qu'une personne âgée. Y'a plus de prison que d'école, comme dit Loki Dubé. Valeur bafouée, prospérité en danger. No Africa Child, les enfants rapés. Il n'y a pas d'éducation, les enfants rapés. Toujours malnutrition, les enfants rapés. Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez hyperbement bien. J'espère que les légionnaires sont là. J'ai à leur parler et puis j'ai aussi à dire quelque chose sur ce bad buzz, ce vraiment gros bad buzz, ce buzz à la limite que je dirais, ce buzz n'importe quoi de Versailles. Oui, je confirme et j'insiste, je persiste, je préviens encore que de Versailles court un gros danger. Et je vais vous expliquer dans les détails juste après le générique. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui ont envoyé rapidement l'audio de African Child de la reine Rioze à plus de 1000 vues. Continuez à vous abonner, le lien est dans la description. Commentez et partagez de la part d'Erito. On se prend après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Erito. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Comme je disais en début de vidéo, parlons rapidement de l'affaire de Versailles. Au lieu de donner des likes, des partages à tous les posts concernant l'affaire de Versailles, je vous invite encore à donner de la force à la reine Rioze qui chante pour une cause humanitaire, qui chante pour les enfants défavorisés, qui chante pour les enfants soldats. Voilà, il faut soutenir ce genre d'initiative là. Son lien est sous mes vidéos, le lien de sa chaîne YouTube est sous mes vidéos, le lien de son site web, de son ONG est sous mes vidéos. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, à aller découvrir, à partager le lien de son audio, à vous abonner, à commenter, à lui donner beaucoup de force et de courage. Elle est en featuring avec Dolisiana de Bordeaux. Parlons maintenant des Didier de Versailles. Vous savez tous ici qu'il y a une histoire de vol où Didier de Versailles était prétendu coupable, était soupçonné d'être coupable dans cette affaire de vol là. Vous savez, hier quand j'ai fait ma vidéo, beaucoup l'ont compris. Et j'ai fait l'effort de parler avec beaucoup de réserve et beaucoup de sagesse. Je n'accusais pas de Versailles, mais je disais simplement que c'est comme si vous voulez discréditer la pratique africaine. Voilà, la pratique ancestrale de cette dame du troisième âge. Pourquoi je vous dis que de Versailles court un gros danger? Je vous explique un peu simplement les faits. Tu es cité dans une affaire de vol où tu vas avec tes potes, soi-disant qui ont corrompu une dame depuis l'ère du fouet, faisait cette pratique-là. Une dame qui, parmi ses enfants, il y en a de chrétiens comme de musulmans. Tu ne gagnes rien à accuser gratuitement un jeune homme parce qu'elle est du troisième âge. À regarder même la mine de cette personne du troisième âge-là, on sait que c'est quelqu'un de vraiment bien, de quelqu'un de vraiment correct. Même si de Versailles n'est pas coupable, ce que vous êtes en train de faire là va faire qu'il va s'attirer de gros ennuis. Je m'explique. Avant d'être musulman ou chrétien, nous avons des valeurs. On connaissait Dieu. Voilà. La religion est venue avec une dénomination d'être musulman ou chrétien. Sinon, nos ancêtres, là, ils connaissaient Dieu. Ils travaillaient avec le nom de Dieu. Donc, une personne du troisième âge, ici en Afrique, a un pouvoir de ce genre-là que, à cause d'un témoignage, à cause de la persistance, je dirais, un peu ironique d'un présumé coupable, vous voulez douter de la pratique de cette mémé-là, c'est attirer de gros ennuis à des Versailles. Vous imaginez que la mémé-là croit du comme faire sa pratique et estime n'avoir jamais menti lorsqu'elle fait cette pratique-là. Et aujourd'hui, parce que dans la vidéo, parce qu'au regard des nombreux témoignages de Versailles, il dit qu'il n'a pas pris les 50 000. Tout le monde est en train de traiter cette mémé-là de menteuse, de charlatan, d'arnaqueuse, parce qu'elle s'est fait, on va dire, corrompre par les amis de Versailles. Pour gagner quoi? De vous à moi, pour gagner quoi? Voilà. La mémé dit, j'ai regardé dans une vidéo qu'un jeune allait lui faire là. Elle dit qu'elle ne gagne rien à mentir sur Versailles. Que quand le balai t'attrape là, en tout cas, quand elle son balai t'attrape là, c'est que tu es présumé coupable. Voilà, ça c'est selon sa pratique.
Mais quand vous êtes en train de dire que la mémé c'est une menteuse, à cause du témoignage de Versailles, à cause de la persistance de Versailles à dire qu'il n'est pas le coupable, c'est attirer de la malédiction sur des Versailles. C'est comme il est en train de dire que cette mémé du troisième âge est en train de mentir, que cette mémé du troisième âge est dans le faux. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous musulmans. Mais sachez une chose, même dans le Coran, il y a un truc qu'on appelle Yassi, qu'on utilisait beaucoup avec le pilon. Je vous explique. Ceux qui ont déjà assisté à ça vont dire de quoi je parle, vont témoigner même que c'est vrai. Vous pouvez ne pas croire, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Mais ne mettez pas en doute nos valeurs africaines. Ça existe bel et bien, c'est pas de l'amusement. Ici, nous ne sommes pas en Occident. Voilà, nous ne sommes pas aux États-Unis ou bien en Europe. Non, on est en Afrique. Avant la religion là, nos parents se soignaient. Nos parents chassaient les esprits aussi à leur manière. Nos parents vivaient tranquillement avec leurs pratiques. Voilà. Moi, je loue l'arrivée de la religion parce que la religion est venue nous montrer un peu l'importance de la moralité, de la bonne morale en fait. Ça, je vais toujours respecter la religion pour ça et je crois à l'existence d'un Dieu. Mais pour cela, venir discréditer la pratique d'une vieille, je pense que c'est dangereux. Voilà, aujourd'hui, il a le buzz. Vous lui offrez ce que vous avez envie de lui offrir, de l'argent, des promesses. Mais après ça, est-ce que vous savez ce qu'il deviendra? Est-ce que vous savez ce qu'il court? Est-ce que vous savez le retour d'avoir discrédité une maman par rapport à sa pratique qu'elle fait, il y a belle durette? Est-ce que vous savez ce que ça peut lui causer comme tort? Je répète qu'on est en Afrique. Aujourd'hui, vous encouragez des Versailles. Mais demain, ne venez pas apprendre quelque chose et accuser la mémé. Je sais de quoi je parle. Voilà, moi je sais très bien de quoi je parle. Et je parle en conséquence de cause. On est en Afrique. Des Versailles lui-même, il sait de quoi je suis en train de parler. S'il a accepté d'aller se faire attraper par le balai, c'est qu'il croit que ça peut marcher. Voilà. Maintenant qu'il soit coupable ou pas, ça c'est à votre appréciation. Mais ne remettez pas en cause la pratique de cette mémé là. Voilà. À son niveau là, au regard de sa pratique là, c'est des Versailles qui a pris l'argent. Une autre chose pour vous interpeller, n'attirez pas de la malédiction ici de Versailles. N'attirez pas un gros danger ici de Versailles. Aujourd'hui il a le buzz, mais demain ça peut se gâter sur lui. Voilà, c'est une histoire spirituelle, c'est une histoire mystique. Ne prenez pas ça à la légère. Tu vas venir dire à une mémé qui veut faire quelque chose pour faire triompher la vérité du mensonge. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu vas en tirer les conséquences. Et ce qui me scandalise le plus, c'est que dans la vidéo, il y a un ami de Versailles qui dit: Balai, si le voleur était parmi nous qu'on l'a vu, faut m'attraper. Le balai l'attrape. De Versailles jure sur tous les toits le nom de Dieu qui n'a pas pris. Mais le balai l'attrape deux fois. Si on voulait regarder la bouche de Versailles, il allait mourir. Mais bref, en tout cas, encouragez de Versailles aujourd'hui. Demain, vous allez venir me dire qu'il y avait dit. Et puis je dis à des Versailles, en tout cas s'il n'est pas coupable, qu'il reste dans son coin, qu'il reste dans sa position et qu'il profite de son buzz. Mais s'il sait qu'il est coupable, il n'a qu'à aller rencontrer la mémé là et lui présenter toutes ses excuses. Qu'il le fasse même en vidéo si possible. Sinon, le retour sera pas bon. On ne ment pas sur les personnes du troisième âge, surtout qui ont ce genre de pratique là. J'ai fini de parler. Concernant des Bordeaux Likoufa, on dit Erito, tu es en manque d'informations. Je vous ai déjà dit que je peux avoir toutes les informations avec l'artiste de Bordeaux sans même rentrer en contact avec lui parce que j'ai décidé, ça fait plusieurs mois, je dirais maintenant presque une année, de ne plus rentrer en contact avec cet artiste-là. Je l'apprécie, je fais ça comme je peux, mais je n'ai plus envie de rentrer en contact avec lui. Voilà. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance, je n'ai pas besoin de lui. Voilà. Donc, ma vidéo, je crois d'avant-hier, c'était une vidéo fun en fait. J'étais juste en train de dire que des Bordeaux nous promet de venir. Mais il fait des vidéos en France pour nous dire qu'il est là. On me dit, moi, il cherche mon information. Ou bien vous oubliez vite. Et je suis toujours le premier à vous dire que des Bordeaux est ici ou bien il est là-bas. Et quand vous vérifiez, c'est la vérité. C'est pas parce que je suis en train de faire une vidéo fin aujourd'hui, vous allez venir dire que moi, Erito. Je fais des vidéos par manque d'informations. Moi, Erito, quand je vais aller à la souche, j'y vais. Mais quand j'ai envie de faire une vidéo fun, c'est faisable, c'est normal. Et une vidéo pour titiller un peu l'artiste, une vidéo pour attirer un peu l'attention de l'artiste, c'est tout. Voilà. Ok. Donc, chers fans de Bordeaux est à Abidjan. Débordé à Abidjan. Et je pense que vous aurez, je crois, 3 ou 4 surprises bientôt. Ce mois de.
non pas ce mois, cette année 2021 là, et je pense que pour dans pas longtemps, vous aurez de 3 ou 4 grandes surprises avec des Bordeaux Likouva. Je vais parler de musicalement. Voilà, parce que je vous ai dit que l'artiste était bel et bien en France, mais il n'est pas allé chômer. Il allait bosser et retrouver la famille. Il allait se ressourcer un peu. Parce qu'il est temps que le coupé décalé se relève. Il est temps que le coupé décalé voit un nouveau jour. Il faut que le coupé décalé renaisse. Parce que le coupé décalé est en train de mourir. Je félicite tous les acteurs du coupé décalé, tels que Beno, Mix, Baby Philippe, par son album On The Track, Venom, Safarel, Arechiné, qui essaie tant bien que mal de toujours, on dira, faire tenir ce mouvement-là. Des Bordeaux arrive. Et il arrive déterminé comme jamais. Il est à Abidjan. Mais il va retourner encore. Il est venu juste pour quelque chose. Il va retourner encore. Pour finir un truc et vous servir. Voilà. Donc c'était la vidéo du jour. Essentiellement basée sur des Versailles. Merci à tous les légionnaires, les vrais légionnaires qui me suivent depuis le début. Je suis là, j'ai pas bougé. J'attends juste de l'actu de l'artiste pour vous faire des vidéos aussi des Bordeaux Likouva. Parce que c'est ce que vous réclamez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse des Bordeaux Likouva et des Versailles. Espérons qu'ils soient dans la vérité. Ciao, ciao.